Bonjour et bienvenue sur la chaîne de rien, je suis Daniel et je vais vous montrer aujourd'hui comment calculer la différence entre deux dates très facilement grâce à une fonction cachée dans Excel. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, nous allons avoir besoin d'une date de début et une date de fin. La date de fin, on va la mettre aujourd'hui et date de début, on va dire le 1er mars. 1980. Et là, on va donc utiliser une fonction cachée dans Excel qui est la fonction date if et qui va nous donc permettre de calculer la différence entre deux dates. Et donc, le premier truc qu'on va faire, on va calculer donc le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates. On va faire est égal à date if entre parenthèses, on va mettre la date de début, point virgule, date de fin, point virgule, et entre guillemets, on va donc mettre le dé du mot anglais day, on ferme les guillemets, parenthèse, et sur entrée. Et donc on voit qu'on a donc 13 424 jours entre ces deux dates. De même pour les mois, donc on fait mois et on fait est égal à date if, pour les parenthèses, date de début, point virgule, date de fin, point virgule, et là entre guillemets on met m de month, on ferme la parenthèse, et on a donc 441 mois entre ces deux périodes-là. De même pour les années. Est égal à date if début fin et entre guillemets on met donc y de year, voilà donc le nombre d'années entre ces deux dates. Maintenant on peut pousser cette fonction un peu plus loin aussi, donc on peut voir le nombre de mois, donc on peut voir la différence de mois dans une année. Donc on peut dire voilà, le 3 est le 12e mois, il y a 9 mois de différence dedans. Ça on fait de mois, on va faire la même chose, donc est égal à date if, mais on a date début, point virgule, date de fin, point virgule, et là, entre guillemets, on va mettre donc ym, donc on veut qu'il fasse la différence des mois après soustraction des années. Ferme les guillemets, ferme la parenthèse, et là on obtient donc 9 mois. Donc entre mars et décembre, il y a 9 mois de différence. On peut faire de même donc pour les jours, donc différence jour est égal à date if mais date début point virgule date de fin point virgule et là on va donc mettre le m de month et puis le d de day mais on ferme la parenthèse et là ce qu'on a donc on a 0 jour entre le premier et le premier. Par contre si je mets le 2 mars, on aura 29 jours parce qu'il faut 29 jours pour retourner au premier. Ici, ce qu'on a fait, donc on a fait la différence en jours après soustraction des années et des mois. Voilà une petite explication sur la fonction cachée, donc qui est date if. Et maintenant, donc on va l'appliquer pour faire un petit calcul d'âge, hein. Donc on va faire une petite application qui va nous permettre donc de calculer une âge à partir de deux dates. Donc, on va créer une nouvelle feuille et indiquer ici donc la date d'aujourd'hui est égale à aujourd'hui. On ferme ça. Et on va prendre une date de début. On va placer ici date de naissance. Ici, on va placer donc la date de naissance dedans. Et on va faire le calcul de date. Ici, on va mettre la date de naissance le 1-3-1983. Et le premier calcul que je voudrais effectuer, donc, c'est de savoir le nombre d'années qu'il y a entre ces deux dates. Donc, on fait est égal à date if, mais date de début, point virgule, date de fin, point virgule, guillemets, grec, d'ailleurs, on ferme. On a donc le nombre d'années. On va calculer le nombre de mois. Voilà. Le mois après soustraction des années, bien sûr. Hein. Date if. Fin, point virgule, entre guillemets, YM, on ferme le tout. Donc il y a 9 mois de différence entre les deux. Et le jour aussi, après soustraction des années et des mois, qui est égal à date diff, entre guillemets, début, point virgule, fin, point virgule. Là, entre guillemets, on met MT. On a donc les 0 jours entre ces deux dates. Maintenant, donc, on va utiliser donc cette
information pour créer un texte automatiquement. Donc dès qu'on met ici une date de naissance, on veut voir un texte ici qui s'affiche, qui va donc indiquer le nombre d'années que vous avez, le nombre de mois que vous avez et le nombre de jours que vous avez. Donc ici on va afficher un texte qui va dire vous avez X années, X mois et X jours. On va prendre le cadre, on va faire ça comme ça. Voilà. Cette grandeur plus ou moins, on va fusionner. Et on va indiquer donc notre formule qui est donc est égale à entre guillemets qui sont indiqués du texte. Donc vous avez espace guillemets, là on met le petit symbole qui se trouve là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va encore s'accrocher dessus. On va imbriquer plusieurs choses ensemble et là on va donc y attacher l'année qui se trouve là, de nouveau le petit symbole, de nouveau les guillemets, espace en espace. On va mettre en virgule, espace, guillemets, bah, je vois, guillemets, voilà. On met à nouveau le symbole, là, on choisit le mois, le symbole, guillemets, espace, mois, et espace, guillemets, allez, guillemets, symbole, le nombre de jours, symbole, guillemets, espace, jour. On ferme les guillemets et voilà, notre formule elle est prête. On va un peu l'agrandir. Alors, on va centrer un peu. Et donc ici, si je change de date, on va dire le 1er avril, bon, notre date, hein, le 20 avril 1986, on obtient donc une nouvelle date. Vous avez 30 ans, 7 mois et 11 jours. Je prends, on va dire, le 22 juillet 1990, on obtient donc vous avez 26 ans 4 mois et 4 jours. Maintenant ce qu'on peut faire donc c'est cacher celui-ci, donc on va masquer ça, on va l'agrandir un peu celle-là, on va la mettre disons là 18, agrandir celle-ci, on va la mettre aussi à 18, on va centrer tout ça. Voilà, voilà. Mettre un fond en gris avec un cadre. Ah, ici, un cadre. Et un cadre aussi. Ça en gras. Fond gris, gras. Ah. Agrandir ça légèrement. Agrandir aussi ça. Un peu trop. On va masquer le quadrillage et donc notre petite application elle est prête. Donc on peut calculer désormais l'âge que vous avez en indiquant ça, en indiquant simplement une date ici, le 1er janvier 2001, vous avez 16 ans 11 mois et 0 jours. Et comme toujours chaque dimanche vous la trouvez une nouvelle vidéo, donc pour pas rater une seule de ces vidéos, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi faire encore un tour aussi pour trouver les autres vidéos, peut-être que quelques autres pourront vous plaire et découvrir des autres astuces sur Excel. Allez, je vous vois à la prochaine. Salut tout le monde.